Salut les survivants, merci d'être curieux et d'avoir envie de savoir ce que j'aime chez Bethesda, ce que j'aime particulièrement. Je vais insister surtout sur une seule chose, mais il y en a plusieurs évidemment. Vu mon temps de jeu sur les Fallout et sur les autres jeux développés ou édités par Bethesda, ce serait dommage de ne pas plus aimer que ça ce que fait cette boîte. Bien sûr, comme dans un vieux couple, il y a des choses que je n'aime pas. Vous-même, si vous êtes habitué aux jeux d'une même boîte, vous finissez par remarquer toutes les petites choses qui peuvent vous déranger. Mais ce ne sera pas le sujet, il y a déjà bien assez de vidéos pour râler, à tort ou à raison. Qu'est-ce donc qui me plaît vraiment chez Bethesda? Pourquoi ai-je joué à tant de leurs jeux? Serait-ce les thèmes des univers de leurs jeux? L'Heroic Fantasy de The Elder Scrolls? Le post-apo de Fallout? Le steampunk de Dishonored. L'horreur de Prey. Le space opéra de Starfield. Les thèmes sont très variés, ce n'est pas ce qui va rendre Bethesda spécial à mes yeux. Serait-ce parce qu'ils ont continué la série de Fallout? Non, si ça n'avait pas été eux, ça aurait été d'autres. Fallout marchait exceptionnellement bien, nombreux sont sans doute ceux qui auraient aimé pouvoir reprendre la franchise. Selon qui aurait continué Fallout, ça aurait pu être mieux ou moins bien. Mais mon petit côté fanboy me fait penser que personne de toute façon n'aurait pu faire aussi bien que les créateurs du jeu. Non, si j'aime ce que fait Bethesda, c'est pour ça. Nous sommes en bord de map dans Fallout 76, loin de toutes les grandes autoroutes de quête par lesquelles tout le monde va passer pour suivre l'histoire. Rien, mais alors rien, ne va nous diriger en ce lieu absolument vide. En tout cas, vide à première vue. Vous avez beau regarder autour de vous, aucun point d'intérêt. C'est morne plaine. Pourtant, si vous aimez vous promener, si vous aimez vous imprégner du monde que vous parcourez, vous allez pouvoir découvrir un petit quelque chose. En fouinant un peu de ce côté vide de la région, voici ce que vous pourrez trouver. Nous sommes dans un monde post-apo, c'est un monde dangereux, sans foi ni loi. Toute personne que vous croisez aura bien plus de chances d'être un danger qu'une agréable rencontre, et un danger mortel. Vous êtes seul. Vous êtes faible face aux hordes hostiles qui rôdent et face aux créatures sauvages de toutes sortes. Occuper un appartement dans le centre-ville en allumant les lampes et la sono n'est pas ce qu'il y a de plus sûr, très loin de là. Alors s'installer discrètement à l'écart est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire si vous ne vous êtes pas résigné à vous laisser mourir. Au loin, vous pouvez apercevoir une grande ville, lieu très dangereux, mais aussi lieu de concentration de vivres et d'autres ressources utiles à la survie. Vous pouvez y mener des incursions furtives pour y trouver de quoi vous nourrir afin de survivre le plus longtemps possible et vite revenir dans votre cachette. Qui irait vous chercher dans ces tunnels gorgés d'eau? C'est sans doute ainsi que réfléchissait cette personne, et parce qu'évidemment elle n'était pas un animal aquatique, elle ne pouvait dormir dans l'eau. Elle a donc placé des planches au-dessus du niveau de l'eau pour pouvoir y dormir, recouvrer des forces et attendre la prochaine nuit pour retourner en ville s'approvisionner. Seul dans un monde post-apo, on ne peut pas espérer grand-chose, et cette cachette, c'est mieux que rien. Survivre, pour ceux qui en ont encore la force, encore l'envie, c'est important. Mais que l'on vive ou que l'on survive, au final la mort viendra quand même. Et elle est venue pour cette personne. Elle est morte dans ce qui lui servait de lit. De faim, de maladie, de vieillesse, qui sait? Ce sera sans doute mieux que de mourir égorgé par des pillards ou déchiqueté par un monstre. C'est une scène très simple, très discrète, loin de tout. Une personne chez Bethesda a pris le temps de la faire, alors que sans doute même pas 1% des joueurs ne la découvriront. Mais elle a pris le temps de la faire. Et pour quelqu'un qui aime explorer et s'immerger, c'est une découverte énorme, un véritable trésor. Ce détail rend le monde tellement vrai. Il y a l'histoire de notre personnage avec les quêtes, mais à côté des quêtes, le monde a aussi sa vie, son histoire.
Des scènes ainsi, il y en a des tas un peu partout dans le jeu. Beaucoup sont même plus développées. La grande majorité d'entre elles resteront inconnues de la plupart des joueurs. Mais Bethesda les a faites. Ce sont de véritables incitations à l'exploration, et je n'ai jamais rencontré cela de manière aussi poussée. Voilà, c'est ça ce que j'aime chez Bethesda. Et vous, qu'aimez-vous chez eux ?